Et salut à tous, c'est Ixon, bienvenue sur Art of Game, et comme il l'a dit, on va jouer à Elia, la fureur du lapin mort. Alors, la dernière fois, on avait vu le premier chapitre, avec des boss tout à fait délicieux, et un boss aussi. Voilà. Donc, là, on va continuer, donc je suis au level 2, j'ai réussi à avoir un nouveau flingue. Qu'on nous donne en fait juste après la mission. Vous avez pas pu le voir étant donné que j'ai failli le début de l'épisode et du coup ça a sauvegardé juste au moment où on m'a filé le flingue. Donc du coup désolé mais vous avez loupé juste ça. Voilà. Donc oh merde, ah black. Ok, donc là c'est du one shot. D'accord. Si je tombe, je meurs. Ok, ça me va. Challenge accepted. Donc, continuons. Allez, venez les gars, venez. Je vais vous en mettre des je vous en mettre plein la gueule surtout. Vous allez savoir ce qui en coûte de se payer ma tête. Oh, bande de salauds. Voilà. C'est vraiment pratique ce putain de tech pack. Je peux pas passer par là. Ok, il y a un boss là-haut. On va l'avoir. Go, go, go. Merde. Oh, il m'envoie des sales projectiles dans la gueule. Tiens, meurs. Putain, ils font mal en fait, les mecs. Je peux pas le finir comme ça. Ok. Non. D'accord, ok. Super. Génial. Oh, le finishing qui se finit mal, quoi. Bon. Oula. Tu t'en vas. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop. Oh merde. C'est ce qui s'appelle s'en prendre plein la gueule. Si je peux, je pense que je vais faire comme ça. Ça ira bien mieux. Non, ça passe pas. Ok. Ouh. C'est plus mal déjà. Hein. J'ai l'impression que ça lui fait un peu plus de dégâts. Putain, et moi je m'en prends plein la gueule encore. Je vais essayer de me caler juste là. Ce sera plus pratique. Ah ouais, d'accord. Putain, ça. Allez, recharge, Billy! Bon, il vaut mieux y aller à la mitrailleuse, en fait. Ça, le missile fait vachement plus mal, mais la mitrailleuse... Au moins, elle a le mérite d'avoir beaucoup plus de munitions. Non, peut-être pas. Voilà. D'accord. Pas compris le principe là. Ah d'accord. C'est quoi ces combos de merde. Ok. Qu'est-ce qu'il veut dire. Ah, ce jeu m'étonnera toujours. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Wouah! Ces gros nasses d'insectes, des armures en métal. Pas mal si on peut en vendre. Ah merde! Si on peut pas forer, on peut shooter, c'est cool d'être le prince. Ah bah je bois un coup d'eau, hein, parce que à force de faire la voix, ça fait mal à la gorge. Tiens, enculé! Je m'en prends plein la gueule par les robots qui sont là ou. J'ai toujours détesté les donjons un petit peu technologiques comme ça. Déjà dans Sonic 2. Ah voilà, ça c'est bien.
Un peu de régène ne fait jamais de mal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moche d'être seul pour son anniv. Je dois être en avance. Je vais lui trouver un bon gros cadeau. On trouve des cadeaux maintenant. Ok. Écoutez cette musique. Cette musique de l'enfer. Putain, mais c'est quoi ça? Écoutez-moi ça. Bien. Topé. C'est quoi ça? Mon dieu. Ce jeu est génial. Ouais, c'est vachement loin. Et la porte s'ouvre. Ok. Bon, je crois que comme un épargnant, il a eu son compte, hein. Allons-y. Un petit peu de régène qui font bien. Et allez, on est parti. Je vais récupérer les trucs qui sont là-haut. Putain, filet de... Ah! Il y a des skulls là-haut. Ah, je peux passer là? Ouais. Hop. Ouais. Wouah. J'allais me dire bon, ok, non. Allez, feu. Je peux l'envoyer ça? Non, toujours pas. Putain. Wow. A tous les coups, c'est un boss. Je fais un peu mon Captain Obvious en ce moment. Dans la gueule de ce... Waouh! Alors ça, je l'avais pas vu arriver. Ça roule. Continuons. Ils vont prendre leur pâté. Hein. Salut les gars! Voilà. Non, c'est toujours pas par là. Ah! Meurs, Canadien, bijambiste! Ça veut rien dire, mais j'en ai rien à foutre! Merde! Bon, technique fonce dans le tas, c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux à faire. En fait. Oh merde! Putain, mais en fait, ils font juste trop mal quoi. Juste trop mal. Ouais, voilà. D'accord. Mode Kill Bill quoi. Kill Rabbit. Parfait. Parfait. Yeah. Vous venez de débloquer un truc super cool, allez vite voir. Tu as tué ton 10e monstre, tu peux désormais visiter The Ice. Un monde d'opportunités, surtout pour toi. Tu sais pas quoi faire de tes monstres morts, fais-les travailler pour toi, ils m'ont adoré. Wow. Les argent, les objets. Ouais. En fait, on peut faire plein de choses. Faire une pause, continuer l'aventure. Ah, on va aller sur l'île. Iceland. Bienvenue sur l'île. Ici, vous verrez tous les monstres que, disons, vous rencontrerez dans le jeu. Les monstres sont fainéants, faites-les travailler pour vous. Ils peuvent même vous offrir des cadeaux. Hein, voyons voir. Voici le vortex. Vos monstres arrivent par là et attendent vos ordres. C'est l'Eldorado de Helier.
Laissez-moi vous présenter Monsieur Tentacle. Merde. Il s'occupe de tout ce monstre. Il s'occupe de tous ces monstres à votre place. Sympa, n'est-ce pas? Une voix pour lui. Bonjour, maître. Laissez-moi vous expliquer rapidement. Si vous êtes aussi un... Car vous êtes si intelligent, maître, comment vous occupez de ces créatures? Peuvent toujours un côté positif, même si la situation est difficile. Malheureusement, personne en enfer n'est vraiment attaqué pour chantonner ou pour jouer. Ok, d'accord. On va te donner du travail, toi. Et voilà. Vous pouvez facilement vous charger du reste à partir d'ici. D'accord. La mine, le manoir, le labo et le port, de merveilleux endroits si amusants. Chaque zone vous offre un cadeau spécifique à utiliser dans le jeu principal. Pardon, le bug de la voix. Oh. La mine confère de l'argent, le manoir de la vie. Le labo offre de nouveaux objets dans le shop, le port apporte des surprises. Attribuez des monstres aux zones, utilisez LS sur chaque curseur et choisissez le nombre que vous voulez sur chaque zone. Ne dites rien. Une fois fait, validez votre choix en appuyant sur A. Allez-y. Ok, c'est parti. Tous ces monstres ont du travail, parfait. Vous pouvez quitter l'île à tout moment et revenir quand vous voulez pour ramasser votre cadeau. Et si vous désirez observer les monstres pendant qu'ils travaillent dur, pas de soucis. Appuyez sur B et admirez votre statue. Allez, on va aller voir travailler, hein. On va voir ce que ça donne. Maître, une chose bizarre s'est produite. De nouvelles zones sont en train de s'ouvrir. Allez voir, cherchez les icônes nouveaux. Choisissez la zone avec LS, puis appuyez sur X. Maître, amusez-vous. J'aimerais bien être à votre place. Bon, fuck. Allez, on va continuer l'aventure parce que bon, c'est pas le tout de voir des mecs travailler, mais quand même. Après cette courte ellipse sur le temps de chargement qui s'est passé inopinément parce que j'ai juste... En fait, le jeu s'est juste arrêté à l'écran de chargement, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, bon bah c'est pas bien grave, hein, c'est pas gênant, vous avez rien loupé. Et moi je vais continuer de là, en plus j'avais sauvegardé juste avant l'île. Donc c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Regarde-moi ce poltron cybernétique, un robot caché derrière un bouclier. Lui bousiller son point faible sera d'autant plus agréable. Oui. Faudra juste le trouver quoi. Ah, je crois que... Arrête de te cacher derrière ton truc. Ah, j'ai plus de munitions. Recharge. En fait, je crois que c'était pas franchement comme ça. on va faire attention parce qu'il reste une merde. Bon, en plus j'ai eu un succès, mais bon quand même, merde. Bon, je vais essayer de pas trop failer parce que bon, bah, il reste un peu moins de 8 minutes d'épisode. Donc j'aimerais bien finir au moins cette session-là. Bah, si j'y arrive pas, bah, ça rend deux parties, hein, c'est pas bien grave. Oui, bon, je sais ce que tu vas dire. Hein, robot cybernétique, blablabla. Je vais pas le relire. On va essayer de se faire ça en speed. Missile tech chercheuse ou je ne m'aime pas. Ah, ok, je peux pas les tuer. C'est super. Let's crush. Hop. Allons-y. Et voilà. Ok, ça s'est rajouté à mon truc. Donc, alors, où est-ce que je dois descendre apparemment. Je dois descendre. Aller par là aussi histoire de voir. Il doit y avoir un truc par ici. Merde, fuck. Attends, faut pas quand même que je me retape l'autre merde quoi.
Non, ça va, il est mort, ça va. Ça, c'est bien, par contre, ça saute. Garde, putain, j'ai failli y aller. Allez, monte. Monte, mon lapin. Oh, ok. Dépêche. Ok. Ah. Super. Ouah, c'est quoi ce bruit? Insert coin. D'accord, ok. What? What? Oh, c'est stupide, mais c'est complètement génial! Avis aux épileptiques, hein? Cette vidéo est faite pour vous. Par contre, les animations sont un poil longues, mais c'est très rigolo. Ok, on peut reprendre. Ok, ça c'est déverrouillé. Parfait. Merde, culé. On va me retrouver un de ces merdiers pour récupérer un peu de vie. Tiens. Meurs. Ouais. Merci. Non, 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 glitch pas. ou peut-être par là. Peut-être par là. Ouais, c'est par là. Oui, enfin. À partir de là que ça part en couille normalement. Enfin, je dis ça au pif, hein, mais c'est bon. C'est bon aussi. Ah, on va trouver un mec avec une échoppe pour pouvoir lui acheter. Oh, y a Monsieur Paul. Regardez où l'action se déroule sur la carte avec... Bah, ouais, non mais Nestor, je le savais, merci. Sans déconner, tu m'as pris pour qui? Oh. Ça, c'est du binaire. Mode veille. Cyber glandouille détecté, vilain robot. Il doit rêver de vieilles disquettes porno. Pardon. Bon. 6-0 veut dire ne va pas vite, sinon je me réveille et je te fume. Que veut dire donc. Que veut donc dire 1? Si on allait le réveiller. Waouh! Beamer Blaster on. C'était. Simple, mais efficace. Rayon magique! Un robot qui saigne. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Après tout, on parle bien d'un lapin prince des ténèbres. Enfin, pas, peut-être pas prince des ténèbres, mais prince quand même, prince des enfers quand même. Oh, le truc m'a sauvé la vie par contre. Ah, putain. Merde. Je sais pas si j'arrive à l'avoir là. Voilà. En fait, ça c'est pas méchant. Ça par contre, ça l'était. Ok. Ah ouais, d'accord. En fait, ils me remettent pas full life. J'avais pas remarqué ça. Ok. Bon, on va avancer. Hop, bah les couilles, on avance. Ouais, trop vite. Bon, cet épisode sera un poil plus long, je pense, hein, parce que bon. Merde, fais chier.
jusque là ça va. Tu t'arrêtes. Hop, on avance. Ok, on avance, on progresse. C'est pas si... Putain, c'est chiant. Ah. Il fallait m'en prendre une encore. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un hôtel dédié à... Non, j'en sais rien. Au culte de Richnou, voilà, on va dire ça comme ça. Oh, c'est bien ça. Ouais, c'est très... Putain, c'est excellent, il y a des petites énigmes et tout. Ah! Barrez-vous, con de mime! Qu'est-ce que c'est que ça? Une tortue, Ixon. Oui, non. Oh! Classe! Ah! Non. Oh, un. C'était quoi ça? Ah, il est génial ce jeu. Il me réserve des surprises de l'infini, j'adore. Ah, ça. Ça, s'il n'y a pas boss là. En fait, peut-être pas boss en fait. Ok. Qu'est-ce que c'est encore qui me... Wow. Vous êtes ici. D'accord. D'accord. Je n'avais encore jamais eu ce combo. Oui. Wow. Ok. Bien, bien propre. Ça c'est... Putain, y a des combos mais assez épiques quand même, hein. C'est... Ah, on est revenu ici, d'accord. Putain de labyrinthe ce truc. Putain, meurs toi. Allez, merde. Plus des dégâts ici, ça va. Moins que... Mouais. C'était pas franchement ça que j'attendais. Putain, je reprends trop loin en fait. Ok, d'accord.